Hello friends and welcome to this platform. I'll propose to you what happened in Côte d'Ivoire. Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, archevêque de Daloa, a fait une sortie. Et cette sortie fait très mal au gouvernement ivoirien. Jusqu'au point où le ministre de la Communication, M. Koulibaly, a fait une sortie, essaie de minimiser et trouver qu'il n'est pas dans le même monde que le prélat. Alors que, quand l'Église catholique soutenait le RDR et le RHDP, ils étaient dans le même monde. À chaque fois que l'Église a fait des sorties contre les autres, vraiment l'Église est dans son rôle. Mais à chaque fois que l'Église catholique ivoirienne fait des sorties qui ne plaisent pas au gouvernement Ouattara, à ce groupe de personnes qui pensent que la Côte d'Ivoire les appartient aujourd'hui, ils font des sorties, parfois menacés même, entrent même dans les églises, menacer les prêtres, appeler et tout cela. Monseigneur Yao a fait une messe. Et que la messe était une messe de solennelle. Oui. Et lors de cette messe, il a prononcé ses propos. And this speech was, I think, one of the best. Because you see, the audience were very happy. They were acclaiming, they were applauding him. They were applauding him. Each time they were applauding, it means the people of Côte d'Ivoire are really suffering and they are afraid to speak. And if they see somebody who is courageous, like this man of God, talking the truth into the face of some of these authorities, because they were there, you see the video, then the dictatorship in Côte d'Ivoire of Alassane Ouattara comes out. Start menacing this people of God or this man of God. Criticize, threaten. That is how they function. Les amis, je vous propose de regarder cette petite vidéo qui fait très très mal, oui, très très mal, à notre ami, le sous-préfet de la France en Côte d'Ivoire. La violence, les braquages à main armée, la formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles. Avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minées par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite la croissance économique tant chantée en cœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Les populations sont attristées. Nous assistons à une vraie paupérisation des zones rurales avec les produits agricoles mal rémunérés. L'appel à la paix et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère. Parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. Voilà. On ne note aucun geste de remords chez les bourreaux. Les Ivoiriens restent encore divisés. Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. Dans quel quartier? Dans quelle ville? Voilà. Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant. D'où un ministère en charge de la réconciliation. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Nous vivons une démocratie armée. Voilà. Nous sommes en face d'un certain occultisme politique. Frères et sœurs, l'Église est appelée à être solidaire des peuples opprimés,
car parler de salut ou de vie éternelle sans prendre en compte les situations de misère noire dans notre monde, dans notre Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, serait pratiquer une religion de fuite du monde ou d'évasion spirituelle. L'Église que nous avons, l'esprit que nous avons reçu, n'est pas un esprit de peur, voilà, mais un esprit de force, de vérité et de courage. En plus, l'Évangile n'est pas une idéologie, mais parole de Dieu, avec un pouvoir de libération. Oui, l'espérance qui est en nous doit... Vous avez compris. Voilà, c'est Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, l'évêque de Daloa. Clair, limpide, un discours propre de vérité. C'est une démocratie armée que Ouattara est en train de pratiquer en Côte d'Ivoire. Les ministres sont, je ne sais pas, très arrogants parce qu'ils savent qu'ils peuvent piétiner tout le monde avec des armes. Mais est-ce que ça dure éternellement? Ouattara doit se rappeler, ses ministres, il était une fois, en ce temps, Mobutu Sese Seko Kuku Gbendu Wasabanga. Il était une fois président empereur de la République centrafricaine, Bokassa. On peut citer des exemples comme ça. Général, président au Soudan, qui est capturé en prison aujourd'hui dans son propre pays. Vous pouvez citer des exemples comme Paoré, qui est aujourd'hui nourri par Ouattara, qui était son mentor d'hier, qui a fui le Burkina Faso, chassé par le peuple burkinabé. Il doit discuter avec Blaise Compaoré pour comprendre ces choses-là. Il ne peut jamais être éternel. Aucune armée au monde ne peut vaincre un peuple. Ce n'est pas possible, ni la détermination d'un peuple. Le même message va à l'endroit de tous ces chefs d'État d'Afrique, comme le président sénégalais, comme le président de l'Afrique centrale. Tous les États de l'Afrique centrale doivent écouter ce message. Parce qu'un jour, il fera jour. Avec le soleil, on n'a pas besoin de la torche. Les amis, ce prêtre a tout dit. Il a présenté la situation en Côte d'Ivoire. Quand la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, nous parle de chiffres de croissance de 5, de 6, et que dans notre vie de tous les jours, on ne voit pas cela. Quand dans nos pays, on nous fait cultiver le cacao, le café, les produits qu'on ne consomme pas localement, les produits qu'on n'a pas, c'est-à-dire que, qui fatiguent même les terres. Nous produisons pour envoyer aux gens qui dictent les prix et qui vont envoyer ces produits-là, ils nous dictent le même prix. Donc, la matière première, ils dictent le prix, le produit final, ils dictent le prix. Alors qu'on a les produits qu'on peut, l'agriculture locale, qu'on peut encourager, la mécanisation, et passer sur les histoires de cacao, café et autres, là, qui ne développent pas un pays. Regardez aujourd'hui l'Afrique qui est en train de commander le blé, alors qu'on peut produire localement. Donc, Krumah avait raison, Sankara avait raison. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. C'est la seule façon pour nous, le peuple africain, de s'affranchir. C'est la seule façon pour nous, le peuple africain, d'être, how will I put it, independent. Oui, autosuffisance alimentaire, les amis. C'est la seule façon d'avoir ça. Nous ne pouvons pas être autosuffisants alimentaire avec le cacao et le café. Non! Mais vous verrez où, let me put it this way, vous voyez des gens qui sont passés par le Fonds monétaire international qui viennent vous expliquer que non, continuez de produire le cacao. Vous faites tourner quoi? Les industries ailleurs. Ces sociétés-là devraient être implantées chez nous localement, n'est-ce pas, les amis? Pour créer les emplois, mais que non. Les amis, ce prêtre a tellement raison et c'est quand même désolant de voir à quel point le ministre de la Communication ou le gouvernement de la Côte d'Ivoire prend cette affaire.
Vous ne pouvez pas continuer à menacer tout le monde, même les prêtres. Vous menacez le peuple. Vous radiez Laurent Gbagbo de la liste électorale parce que pour vous, la Côte d'Ivoire vous appartient. Non. Vous allez perdre ce pouvoir tôt ou tard. Et si les autres vous proposent la rancune, vous allez comprendre comment ce plat-là est froid. Les amis, après la sortie du prélat, Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, le prélat, l'évêque des Dalois, Monsieur Koulibaly, qui est le ministre de la Communication de la Francophonie, porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire, a fait quoi? A fait une sortie. Et lors de cette point de presse ou conférence de presse, il y a un journaliste qui lui a posé une question. Les amis, je vous propose d'écouter la question du journaliste et la réponse du ministre. Monsieur le ministre, l'Église catholique, par la voix de l'évêque Joseph de Dallois, nouveau président de la conférence épiscopale, C'est ça. n'a pas été du tout d'accord avec le gouvernement de la conférence épiscopale. Lors de ce moment, la messe en train de faire la 123e assemblée plénière de la conférence de Côte d'Ivoire, lui a demandé si la croissance économique ivoirienne avait chiffre, penchant du cœur, est réelle. Croissance à deux chiffres, le même discours. Il a même dit qu'il était pays africain, et je l'imagine, la Côte d'Ivoire, sont des gouvernements malhonnêtes, sans réel pouvoir de décision, dont la légitimité est parfois importée. Quel commentaire faites-vous de tous ces problèmes? Le porte-parole, il prend son temps, il perd son latin. À la vérité, je ne souhaite pas faire de commentaire. Religieux, qui plus est, président de la conférence épiscopale, vous m'avez dit, donc, le point de vue de cette religion fait partie des leaders et de ma posture, donc, je dirais, de porte-parole d'un État qui se veut C'était le laïque. 7 juin Vous de cette année. comprendrez qu'il m'est difficile de faire un commentaire parce que je veux garder une certaine distance vis-à-vis des propos des religieux à cause des passions que tout cela suscite dans notre opinion. Nous avons tous vu cette vidéo circuler. Je pense que l'évêque a lui-même simplifié les choses. Nous ne sommes pas dans le même monde. Vous n'êtes pas dans le même monde. Moi, mon monde, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un citoyen ne fait pas plus de 5 km avant de trouver un centre de santé. C'est une volonté du chef de l'État. Cela a été atteint. Moi, mon monde, Dans les c'est qu'un grandes villes, hein. enfant ne fait pas plus de 5 km pour aller au collège. Et avec tout le programme de collège de proximité qui a été développé, cet objectif a été atteint. Moi, mon monde, c'est faire en sorte que les étudiants n'aient plus à venir vers la seule université que nous avions. Et qu'aujourd'hui, j'ai une université à Korogo, grâce au président Ouattara. J'ai une université à Dalwa, grâce au président Ouattara. J'ai une université à San Pedro, grâce au président Ouattara. J'ai une université à Mans, grâce au président Ouattara. L'université d'Odienné est en train de sortir du sol, de même que l'université de Bondoukou. Et quand j'ajoute l'université d'Aboua-Adjamé, que le président avait déjà initié, plus l'université de Poaké, qui a été sa création lorsqu'il était premier ministre, ajoutez à cela l'université virtuelle, ça nous fait 9 universités qui sont l'œuvre du président Alassane Ouattara. Sur les 10 que compte notre pays. C'est ça mon monde. Moi, mon monde, c'est l'autoroute qui arrive jusqu'à Poitiers. C'est dans ce monde que je vis. Je ne peux pas dire s'il est invisible ou s'il est réel, mais comme l'évêque et moi ne sommes pas dans le même monde, je ne fais pas plus de commentaires que cela. Et vous me voyez ici tous les mercredis et je n'ai pas de gilet pare-balles. À moins que je l'aie oublié. Et à tous ceux qui applaudissaient à tout rompre lorsqu'il parlait et qui applaudissaient à l'unisson, je veux juste citer La Fontaine qui disait dans une de ses fables,
Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je vous remercie. Voilà, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, ceux qui vous écoutent vivent à leurs dépens. Parce que le ministre, me semble-t-il, n'a pas compris la sortie du prélat. Le prélat n'a pas parlé de manque d'université. Le prélat n'a pas parlé de manque d'école. Le prélat n'a pas parlé de manque de centre de santé. Non. Le prélat parle de à qui profite la croissance. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir toutes ces choses-là. Mais à qui profite? Est-ce que ce sera au peuple que ça profite? Est-ce que le peuple peut aller se soigner avec des maigres moyens qu'il a dans ce centre de santé? Voilà la question que M. Koulibaly devait répondre. Dans les universités, tout le monde peut y aller? Si oui, si la réponse est oui, les amis, maintenant, quelles sont les formations? Parce que l'OPLA parle de la formation, on forme les cancres. Voilà la sortie du prélat. La question, ce n'est pas de construire les bâtiments. La question, c'est les bâtiments que vous avez construits, vous avez cité 9. Est-ce que ce bâtiment forme en réalité les Africains que nous sommes, avec nos réalités? Est-ce que ces enfants qui sortent de ces universités-là peuvent créer quelque chose, peuvent inventer des choses? Voilà là où il y a le débat. Donc, le sujet que M. Koulibaly n'a pas encore écouté la sortie du prélat avant de faire cette ironie-là. Il dit qu'il ne veut pas répondre parce que c'est de la passion, mais en même temps, il semble se moquer de ce prélat. Les amis, voilà la Côte d'Ivoire, voilà l'Afrique. C'est exactement comme ça. Les gens qui sont au pouvoir, ces élites compradors qui pensent que leur pays les appartient. Ouattara n'a jamais créé d'université personnelle. C'est avec l'argent des Ivoiriens qu'il a initié ce projet-là. Cela est dit. Thank you for watching. God bless you. Bye bye for now.